Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré et ma première réaction, c'était de me dire pourvu que je le fasse, pourvu qu'il me prenne dans son film. Parce que je pense qu'il me l'a fait lire et il avait vraiment envie qu'on travaille ensemble, mais il fallait qu'on fasse des essais. Moi, je ne suis pas du tout contre les essais. C'est une première approche avec le travail d'un réalisateur et d'un acteur, voir si ça peut aller. Donc moi, j'avais qu'une envie, c'est que ça colle, quoi, entre nous deux. Et ça a collé. Il m'a envoyé le scénario, j'ai trouvé ça tellement juste, tellement beau, tellement, j'ai trouvé ça fin, intelligent. Et en plus, sans rien dévoiler, j'ai trouvé que pour moi en tant qu'acteur, hein, le parcours de mon personnage était vraiment intéressant. J'avais jamais joué ça encore, donc ça m'intéressait beaucoup de jouer ce sorte de personnage qui glisse un peu comme ça, qui dit rien par pudeur, pour plein de choses. Ça, c'est intéressant en fait. C'était plus des inspirations que Arnaud nous donnait en amont. Des films, à regarder des atmosphères, peut-être, ou des musiques. T'as raison, il nous avait envoyé des musiques et des films. Des musiques et des films, à regarder. Ouais. Moi, il y avait Camping 2, j'ai trouvé ça c'est très ça, étrange. Moi, il y avait Les Tuches 3. Voilà. Tu vois, c'est marrant. Hein, quand même. T'es d'accord, bah, ça a été la Coccinelle Monte-Carlo. Ouais, après, je me suis trompé, j'ai vu que c'était trompé, c'était une Nice pour mon fils. C'est ça. Ça. Non, mais il y avait Nous sommes tant aimés, il y avait les films de Claude Sauté. Ouais. Il y avait Assayas, L'heure d'été. Ah oui, L'heure d'été. Après, il y avait des musiques. Après, on fait ce qu'on veut avec ça, on est libre, on n'est pas obligé d'écouter ni de regarder. Mais j'aime bien quelqu'un qui essaye de transmettre son univers, pas en vous l'imposant, mais en vous disant, moi, c'est ça, en tout cas, qui m'habite et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Il est très émotif. Ouais. Donc, il pleure beaucoup. Très souvent, il pleure. Mais pour rien, des fois. Parfois ça aide à pleurer, parfois pas du tout. T'as dire, voilà. Non, mais... Ah c'est bon là j'ai juste marché. Oui mais ça me rappelle ça. Ah oui, bah écoute, je sais rien moi, c'est ce que je te dise. Donc il est très émotif. Mais en même temps, c'est super. Parce que c'est comme un réalisateur quand vous faites une comédie et qu'il rit. Ouais. Et bah c'est pareil. Donc vous savez qu'il aime, qu'il est content, qu'il est heureux. Du coup, quand il pleure pas, tu te dis, mince, oui, voilà. C'était super. Mais... Vous avez envie de lui faire plaisir, vous avez envie de... Parce qu'il est, il est dans cette émotion-là. Il est enfant, il y a un truc finalement très enfantin. Très enfantin, hein. Ouais. C'est une scène où on est tous à table. On est dans la cuisine et puis on se commence à chauffer. Moi, je commence à me chauffer avec Camille et avec ma petite sœur. Mais j'aime bien, ça chauffe hyper doucement, on sent. À faire on ça. Sent. Et à un moment, ça pète. Ouais. Et ça, c'est vraiment jouissif à faire. Et évidemment, en tête, je ne suis pas de ce niveau-là du tout. Hein. Mais évidemment, je pense à quoi? Je pense à la scène du gigot de... De Festel? Non, scène du gigot de dans Vincent-François Pellezzo, de Piccoli. Ah, bah oui. Je pense à ça. Oui, et ça, oui, j'adore oui. Le mec d'un seul coup. Là, c'est dans les références de Arnaud, au direct. Il m'avait cité. Ouais. Donc ça, c'est jouissif à faire.